revient finalement vers Guité. Le compte qui est là. Uzro, la passe pour Guité. Guité, solide mise en échec. Attention, c'est Ellie en territoire des sacs de tir, le but. Un tir directement dans l'enclave de Vince Ellie qui marque son 9e but cette saison. C'est 1-0 Sea Dogs. Alors qu'on nous montre la reprise en zone des Sags, Vince Ellie récupère une rondelle, s'en va directement dans l'enclave, prend un tir qui surprend Raphaël Précourt. Et rapidement dans ce match, les Sea Dogs marquent le premier but de ce match. Pour La Fontaine, son tir, c'est bloqué. Bellemare récupère, va vouloir relancer l'attaque. Bellemare rentre du côté droit en territoire des Sags. Une passe qui a été interceptée par les Sags. La rondelle revient dans l'enclave, un tir bloqué par Précourt. Le disque est libre, dégagement qui revient sur le bâton de Baudouin. Ça a été intercepté. Uzro envoie au centre pour Craig Armstrong. Armstrong, une longue passe tentée pour Guité. Guité s'avance, il y a de l'espace. Son tir est le but! Émile Guité qui marque et c'est l'égalité. Une très belle passe qui a permis à Émile Guité de rentrer pleine vitesse en territoire des Sea Dogs. Prendre un très bon tir sous la mitaine du gardien de but des Sea Dogs et c'est l'égalité 1. Longue passe, Guité du cercle gauche. Il va un tir qui bat le gardien de but, Robinson. C'est l'égalité 1. Devant, c'est repris par Boulens. Donc on confirme le but de Guité. La Fontaine, sa passe qui rejoint personne. Baudouin veut partir en 2 contre 1. Baudouin avec le disque. Vachon de l'autre côté. On va pour Vachon. Vachon le tir. Quelle chance ratée. Ça a été bloqué par Robinson. Boulens. Un tir bloqué. Passe pour Massé. Massé laisse derrière pour Desruisseaux. Desruisseaux ne peut, oui, réussir à garder en territoire ennemi. Envoie Massé. Massé, une belle passe pour Desruisseaux. Sacre droit. Sur Norme, une passe de l'autre côté. Le but. Quelle passe de Thomas Desruisseaux et Alexis Morin qui complète. Maxime Massé qui a été patient sur cette séquence envoie cette rondelle au cercle droit à Thomas Desruisseaux qui attendait cette rondelle, refile de l'autre côté à Alexis Morin qui était fin seul. Belle passe de Thomas Desruisseaux et Morin n'avait qu'à tirer dans une cage complètement abandonnée par le gardien de but Robinson. Et après avoir créé l'égalité TV à Bellemare, Bellemare sa passe qui est interceptée par Desrosiers. Desrosiers veut renvoyer pour Prudhomme. Laforge, la passe qui dévie sur un bâton. Attention, c'est Bellemare qui relance. Bellemare du côté droit, son tir bloqué par Précourt qui sort la mitaine et va laisser le disque à Desrosiers. On veut relancer l'attaque. Attaque à 4 pour Massé au cercle droit. Vermette transversale pour Leroux. N'a pas été en mesure de maîtriser, mais reprend le disque. Fait glisser jusqu'à Morin. Morin s'avance. Transversale pour Vermette. Son tir, quel arrêt! À moins que cette rondelle ait frappé le poteau, mais occasion en or ratée. Desruisseaux, 40 secondes, s'avance. Desruisseaux dans l'enclave, son tir bloqué défensivement. Le disque s'en va derrière. Morin veut revenir devant. Gauthier, une longue passe interceptée par Leroux. Beau travail, Leroux part seul. Belle fin de Leroux qui réussit à déborder le tir. Bel arrêt de Robinson alors que Leroux est ensuite projeté au sol. Et derrière le filet, Morin, une chute face au défenseur. Laforge qui veut relancer l'attaque. Laforge envoie du côté gauche pour Simek. Simek freine en entrée de territoire du côté gauche. Une longue passe pour Gauthier qui appuie l'attaque. Une feinte, une deuxième. Gauthier, son tir, le but. Avec 2 minutes 9 à faire, Gauthier qui crée l'égalité. Deuxième de la saison de Mathis Gauthier. C'est 2 à 2. Pour Vince Ellie, à Yaniello, à Vince Ellie, au cercle gauche. Transversal devant le filet, Balteco, l'arrêt de Précourt qui n'a aucun retour avec 1:25 à faire à la pénalité. S'avance à Vince Ellie, à Yaniello, à Ellie au cercle gauche, à Yaniello, à Ellie, son tir et le but. Vince Ellie qui donne la victoire aux Sea Dogs en prolongation avec son 2e but du match. Un but de Vince Ellie qui va renvoyer les Sags au vestiaire avec une défaite malgré
Un bon match dans l'ensemble. Une fin de match qui aura coûté cher là, une pénalité de 4 minutes et un but sur la même séquence. Mon nom est François Gingras. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Dans quelques instants, je serai sur les ondes d'énergie avec Charlotte pour faire un résumé de ce match.